Donc salut, aujourd'hui nous voici à nouveau ensemble pour un nouveau tuto. Il s'agit du fameux chorus de Honky Tonk Woman, beaucoup demandé, celui bien sûr de Mick Taylor. On regarde tout ça dans le détail. Donc le chorus de Honky Tonk Woman, celui de l'album Getty Yaya, le fameux chorus de Mick Taylor que l'on va détailler et surtout vous allez avoir la tablature, on va le travailler doucement. C'est parti. Cinquième case, corde de sol. Et on va faire quatre bends successifs sur la corde de sol. Deuxième partie. On garde la position sur la corde de sol à la cinquième case et on va sur la corde de si à la sixième. Et on va faire. Quatre fois en relâchant le dernier bémol. Là, j'ai fait ces positions, hein. Cinquième, quatrième sur la corde de si, quatrième seconde sur la corde de sol. À la dixième case sur la corde de si, et je vais faire corde de si dixième, corde de sol neuvième. Pour terminer sur la corde de sol, à la septième. Faire un bend à la dixième case, à la dixième, sur la dixième case à la corde de si. Et dixième, huitième sur la corde de si, neuvième sur la corde de sol. Je refais une fois. Je refais. Donc, vous avez vu, j'ai fait un glissé, j'ai une position. Je fais un petit glissé à partir de la huitième case sur la corde de sol et septième sur la corde de si. Je glisse donc de la huitième à la neuvième, donc, et de la septième à la huitième, hein. Que j'ai fait, je fais. Donc j'ai ma corde à vide, je fais cinquième, troisième sur la corde de si, quatrième sur la corde de sol, troisième sur la corde de mi, troisième sur la corde de si, cinquième sur la corde de mi. Bend, cinquième corde de mi. La fin du chorus, je suis à la 14e sur la corde de sol et je vais faire 12e corde de mi, bend 14e corde de sol et à nouveau deux fois et je glisse à la 10e sur la corde de mi avant de terminer sur mon accord de sol et le chorus est fini.
le morceau est terminé. J'espère que vous prendrez du plaisir. C'est vraiment un super chorus. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.